Yo les gars, c'est Nifus pour une nouvelle petite vidéo sur Genshin Impact. Et je viens de me connecter, j'ai fait les petits trials qui sont d'ailleurs très stylés. Genre, en fait, quand vous jouez, l'écran est super smooth. Vous pouvez enchaîner directement les 4 en même temps. Et puis, ils ont changé un petit peu les. Regardez, même rien que les petits validés là, ils sont stylés. Enfin, tout est mignon, tout est joli. J'ai débloqué aussi la quête de souffle nuage que je ne ferai jamais. Et donc c'est parti. Alors, vous avez vu le titre, on va pigeonner de ouf. On va aller dans la boutique et on va s'acheter les nouvelles tenues. Alors, je n'ai aucun des deux persos. On va vérifier, mais je crois que j'ai aucun des deux. Ganyu et Shenhe. Hop, archive des personnages. Je crois que je les ai pas, les gars, je vous assure. Shenhe, je l'ai pas. Ganyu, je l'ai pas. Bon bah au moins, si ça me fera des persos à poule. Putain, vous allez tellement m'insulter en commentaire. Mais en gros les gars, pour vous dire, j'ai tous les skins du jeu. J'ai tous les skins du jeu. Ouais, ça coûte cher, j'avoue. D'ailleurs, ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de skins dans le jeu, en vrai de vrai, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Pas sur tous les persos, malheureusement. Pas plusieurs skins par perso. Skins légendaires, il n'y en a pas trop non plus, etc. D'ailleurs, pour l'instant, j'avais tous les personnages de mes skins. C'est-à-dire que tous les persos que j'ai leur skin. Mais les deux là, j'ai pas le skin, malheureusement. Mais comme je les collectionne, je vais les prendre quand même. Et puis un jour, comme ça, je pourrais peut-être les pull, on verra. Même si honnêtement, je ne pense pas. Parce que je les aime pas trop, Shen E et Ganyu. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on peut voir les skins. Oh, c'est stylé. Du coup, j'ai rechargé un petit peu. Il me restait, je crois, un pack à 6000 à 6000 cristaux. Donc c'est pour ça que j'en ai 12 000. J'avais eu un dernier pack de l'anniversaire qui me restait. Et donc, on va se les acheter tout de suite. Donc, on a nouvelle tenue. Rosé de fleurs de givre. D'ailleurs, je vous précise, il y a un skin de Xiangqiu. Oh, j'ai écorché le blaze. Xinqiu, pardon. Je l'ai écorché. Et qui va être gratuit dans l'event. Je sais pas si je jouerai à l'event. Dans tous les cas, je l'achèterai quand il sortira, au pire. Du coup, rosé de fleurs de givre. 20% de réduction, donc profitez-en. Rosé de fleurs de givre. Ce cadeau du Festival des Lanternes que Shenhe a reçu est une tenue formelle élégante que son maître Souffle Nuage a commandée pour elle. Des cordelettes rouges ornent toujours ses bras. Mais le froid glacial dans le cœur de Shenhe s'est estompé. Franchement, plutôt joli. Après, je vais vous dire la vérité, c'est un skin assez classique. En général, tous leurs skins sont classiques. À part peut-être Klee. Peut-être Klee qui est un peu moins classique. Je trouve son skin très sympa. Mais sinon, c'est des skins très classiques. Très très classiques. On continue avec le deuxième. Nouvelle tenue, Bourgeon du Crépuscule. Bourgeon du Crépuscule, une tenue festive légère et gracieuse avec des accents principaux de noir et de bleu. Ses accessoires pour cheveux sont aussi radieux que des fleurs de Xing Xing Wang Wang. Une association de Ganyu affectionne particulièrement. Ok, et bien avant de se les acheter, on va se les regarder quand même. Alors, la tenue de base, voilà à quoi elle ressemble. D'ailleurs, Genshin, ils auraient pas dû mettre la tenue de base à côté. Parce que quand tu compares les deux, tu te rends compte que c'est pareil presque. Donc, je pense qu'ils auraient dû juste laisser le skin en visualisation. Et pas mettre ça. Mais au moins c'est des bons. Au moins c'est des bons. Des gens qui veulent comparer un petit peu. Du coup, si on compare un peu la coupe de cheveux, bon, elle est presque pareille honnêtement. C'est pas la même, mais presque. Ouais. Même coupe presque à l'avant. Un peu plus coupée de ce côté-là. Ouais. Je suis pas convaincu. Et Ganyu, bon alors encore pire. Je pense que c'est le pire. Ouais, non. Je suis désolé, mais. Déjà que sa tenue de base est super moche. Alors là, c'est. Mec, je reviens pas. Je vais mettre 10 balles pour ses Smiths, pour ses trucs. Shen Yu, à la limite, honnêtement, ça peut aller. Ça peut aller. Tout noir comme ça, full black. Même si son skin est déjà bien black. Il y a juste le haut qui est un peu blanc. Mais lui, je suis désolé, il est à chier. On dirait juste le skin de Keqing en pas ouf. Sachant que celui de Keqing est déjà pas ouf. Ok, et bah c'est parti, les gars. On va commencer par celui du milieu. Pourquoi pas? Ah bah ok, il nous redirige là. Ok. Bon, on commence par le plus beau. Hop. Vous n'avez pas encore obtenu le personnage. Souhaitez-vous continuer? Blablabla. Ça est parti. Acheter. Tadam! Do you think I look good in this outfit? En vrai, pas mal. Et le deuxième. Acheter. Acheter. An outfit for a banquet.
Yes, this one will do. Pourquoi je répète? Au cas où vous avez mal entendu. Ok. D'ailleurs, ceux-là, je crois que c'était un event. Les trois là étaient gratuits. Je sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient gratuits. Je m'en rappelle plus. En tout cas, les trois là étaient gratuits. Je crois qu'il y en a un que j'avais loupé. J'avais dû l'acheter, malheureusement. Mais bref. Du coup, il nous reste 10 000. Et c'est parfait. Parce que l'on va invoquer sur gaming. Et pas souffle nuage, malheureusement. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Pas souffle nuage. On va invoquer Naïda. Parce que je ne l'ai pas. Je suis en garantie d'ailleurs. Alors, je vous dis ce qu'on va faire. Si j'ai gaming avant Naïda, alors j'arrête la vidéo. Et je garde gaming. Et je garde ma garantie. Par contre, si on n'a pas gaming, bah on aura Naïda du coup. Et on continuera encore sur souffle nuage pour avoir gaming. J'espère que vous avez bien compris. Parce que je répéterai pas. C'est parti, let's go. Hop. Première multi. Donc là, on est à 32 garanties. Donc on est à 40. 40. Ok. Purée, purée. Oh, purée. Il parle combien de temps le poteau? Mais ferme-la! Oh! Ferme-la! Mais ouais, c'est dinguerie! Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Merci. Oh, c'est une dinguerie, les gars. 1 minute, il parle le poteau. Du coup, j'aurais clairement pu faire une single. J'aurais pu faire une single, je l'avais. Bon. Voyons voir ce qu'on va avoir de beau. Peut-être un double 4 stars. Ok, 6, 7, 8, 9. Et dixième poule, peut-être un double 4 stars? Non. Ok. Très stylé. Très très stylé. Bon bah j'aurais pu faire une single, hein, clairement. Bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup on est garanti 4 stars dans la prochaine multi. C'est stylé ça. Garanti 4 stars. Enfin, pas garanti d'un perso du coup. La bannière, mais on est garanti d'avoir un 4 étoiles prochaine multi, mais on sait pas trop quoi. Prochaine single, pardon. Du coup, on a eu le petit gaming en un pool, littéralement. Alors attendez, je vais changer ma signature et on va écrire Clorinde slash Arlecchino slash 40 pity. Garantie un 4 stars et 4 stars. Bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose. En plus, je comprends rien à ce que j'écris. Mais bon, on va dire que c'est à peu près ça. Ok, hop, on va le débloquer vite fait. Où est-ce qu'il est, le collègue? Il est là, niveau supérieur. Je le mets juste niveau 20. Hop, comme toujours, comme tous mes persos, niveau 20. Hop, voilà. Hop, on élève. Il est très stylé, très stylé. Et du coup, j'ai débloqué une petite constelle. Une petite pierre. Ouais, je mets tous mes persos niveau 20, calculez pas, les gars. Où est-ce qu'il est, le petit? Il est où, il est où, il est où, il est où, il est? Il est là. Ok, très stylé. D'ailleurs, les gars, je suis complètement teubé. Mais je viens de me rappeler qu'il y avait un event pour gagner gaming tout seul. Il y avait un event, littéralement, pour avoir gaming gratos. Mais bon, me connaissant, je l'aurais peut-être pas fait l'event. Donc j'ai bien fait le pool. Et puis je l'ai eu en un pool en plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Code créateur NCU sur les jeux Epic Games. Et si vous achetez des primo gemmes, vous pouvez mettre mon code créateur si vous avez le Genshin Impact sur Epic Games. En tout cas, les gars, c'est tout. Allez, ciao!